Est-ce qu'on y voit un peu plus clair, Bruno Fuchs? Pas vraiment. On est dans le début d'un processus. Donc, oui. Attendez une semaine, les choses discutent. Je me souviens qu'il y a quelques semaines, nous avions évoqué cette question sur ce plateau et que je vous avais dit déjà qu'attaquer la question de la réforme de la retraite par l'âge pivot de 65 ans n'était pas une bonne façon d'approcher la question, et que la question était, un, il faut travailler plus, ça tout le monde le sait parce qu'il faut équilibrer, mais deux, que cette réforme doit être juste. Et quand vous avez une réflexion qui a été menée depuis plusieurs semaines, notamment au sein de la majorité, en disant qu'il faut que la réforme soit juste, apparaisse comme juste et soit juste, eh bien dans ce cas-là, vous trouvez d'autres moyens, d'autres méthodes. Aujourd'hui, la réforme Touraine, c'est quand même 43 ans de cotisation. Un jeune qui rentre sur le marché, en moyenne aujourd'hui, il rentre sur le marché à près de 23 ans, 22 ans et quelques mois et 9 mois, donc près de 23 ans. 23 ans et 43 ans, un jeune qui démarre aujourd'hui travaillera jusqu'à 66 ans. Donc il faut quand même voir les chiffres tels qu'ils sont. Il n'y a pas de... Voilà, on peut dire 60 ans, c'est une escroquerie de parler de 60 ans aujourd'hui, parce que dans la réalité, ce ne sera pas le cas. Oui, 60 ans, sauf si, comme le propose la France Insoumise, on passe à 40 annuités. C'est notre histoire. Oui, mais ça, on sait très bien que le modèle ne tient pas. Déjà là, il est déficitaire. Alors, donc, et c'est là que je reviens à mon point de départ, c'est qu'il faut que la réforme soit juste. C'est que la réforme, elle doit être juste, elle doit également apparaître comme juste pour les personnes qui commencent beaucoup plus tôt, les personnes qui ont des métiers pénibles, les aides-soignantes, par exemple, qui travaillent de nuit. Voilà, on va travailler quand on est aide-soignante, travaillant de nuit jusqu'à 65 ans. Donc, il faut que cette réforme soit juste et qu'on intègre donc dans la réflexion un certain nombre de situations de pénibilité, de carrière écourtée, fragmentée, des femmes qui ont eu des enfants, qui changent de travail. Il faut qu'elle soit juste, voilà. Mais donc, on travaillera plus, ça c'est une évidence et tout le monde le sait, dès aujourd'hui avec la loi Touraine qui rentre progressivement en application. Agnès, c'est vrai que le texte sera présenté en Conseil des ministres le 23 absolument. Janvier et début de l'examen à l'Assemblée nationale en février. Bon, vous êtes prêt pour la bataille? Non, mais ce n'est pas une bataille. Ça va être une bataille. Non, mais ça va être un débat animé, mais ce n'est pas une bataille. Je veux dire, les choses sont claires. Vous avez, en 2014, un gouvernement socialiste qui a voté une loi Touraine qui va, en 2035, dire qu'en France, il faut cotiser 172 trimestres en 43 ans. Donc, tous les gouvernements... quand ils sont au pouvoir, vous disent il faut travailler plus, c'est une évidence parce que vous l'avez expliqué, tout le monde le sait aujourd'hui, et quand ils sont dans l'opposition, ils font mine de ne pas s'en souvenir. Le PS, par exemple, avait 62 ans de programme lorsque c'était Anne Hidalgo qui était candidate à l'élection présidentielle, maintenant c'est 60 ans, donc on voit bien que ça n'a pas de sens, ce n'est que des arguments politiciens. Sur le travail des seniors, bien sûr, qu'il faut travailler. Je travaille qu'aujourd'hui, le travail des seniors n'a jamais été aussi important. En tout cas, la progression du travail des seniors depuis 2017, ça ne cesse d'augmenter. Donc, on travaille là-dessus. Mais ce n'est pas la hauteur des enjeux. Il faut travailler ce point-là, bien sûr. Mais ce n'est pas la hauteur des enjeux financiers. Ouais. Ensuite, bien sûr, même si on avait 15 milliards, c'est prévu en 2030 de déficit, le corps dit 15 milliards de déficit, on peut financer. Ce n'est pas compliqué de financer. Mais ce financement-là, il va... on va en avoir besoin pour financer la question écologique, pour financer la souveraineté industrielle, pour investir dans les nouvelles technologies. Donc cet argent-là, si vous ne le mettez pas, si vous ne travaillez pas suffisamment, vous mettez dans les retraites, eh bien il va manquer pour la cohésion sociale, pour l'éducation, pour le travail sur l'emploi. Et donc, on a besoin d'investir également dans les forces de police, dans la sécurité, etc. Donc, tout ça, c'est du budget dont on a besoin. Donc, il faut travailler plus, et je le répète, de façon juste. Je crois qu'on arrive maintenant à un point d'équilibre. Oui. Bon, là-dessus, c'est pour ça avec. Que les Français n'en veulent pas de réforme. Quand on leur dit que ça va être 65 ans, ils ne voient que la pénibilité, que l'effort à faire. En fait, il faut leur montrer tout ce que tous les problèmes va leur apporter. 65 il y en a beaucoup. À court terme, il y a deux choses. Il faut foncer chez les Allemands, les secouer pour qu'ils acceptent de modifier les règles du prix de l'électricité, parce que ça, c'est la clé. En attendant, alors le Parlement européen a voté pour que tous les États sortent du traité sur l'électricité. Oui, mais il faut que la France, il faudrait que la Commission, que le président nous aide. La position. Il faut qu'Emmanuel Macron pèse de tout son poids désormais. Il faut aller très très vite parce qu'en réalité, on peut pas. Il s'agit pas de réformer. D'accord, mais ça en fait, il s'agit de décorréler le prix du gaz du prix de l'électricité. On l'autorisait pour les Espagnols et pour les Portugais parce qu'il y a une structuration du.
des réseaux électriques qui ne sont pas les mêmes, mais il faut le faire maintenant pour l'ensemble d'Europe. C'est crucial, parce qu'on ne pourra pas, avec des budgets publics, financer tout le monde longtemps. En attendant, ce qu'il faut faire, je crois que Bruno Le Maire est conscient des choses, on a un bouclier tarifaire qui est quand même protecteur pour la majeure partie des entreprises. Sur celles qui ne sont pas éligibles, il faut les traiter. Et ça fait 2 mois qu'on sait que les boulangers sont en très grande difficulté. Il faut des mesures spécifiques pour les boulangers et pour une partie des bouchers qui ont des frigos avec des entrepôts importants avec de l'électricité. Il faut des mesures spécifiques pour cette proposition. En plus de ce qui a été annoncé ce matin. En plus, bien évidemment, c'est une évidence et je pense que ce matin, il faut aller plus loin. Voilà, c'est une évidence, on ne peut pas. En plus, on parle aujourd'hui de dépopulation, de la ruralité. Voilà, et les boulangers sont souvent la dernière activité commerciale. Ils font également la poste, ils font d'autres activités en même temps. On ne peut pas avoir de discours. Il faut, pendant les mois qui viennent, le temps de secouer les Allemands, il faut aider bien plus qu'il ne faut les boulangers. François Thuret.